affaire politique, il n'est pas fait pour les citoyens d'Afrique. Donc nous sommes là pour demander simplement la libération de tous les pays d'Afrique et la libération de notre sœur Virginie. Comme j'ai dit au début, aujourd'hui c'est elle, demain ça peut être l'un de nous. Quand on touche à un frère, à une sœur, chacun de nous doit rester mobilisé, debout, pour demander sa libération. Parce qu'on ne sait pas quand la situation là va s'arrêter. Il faut dire stop dès maintenant. C'est notre unité seule qui peut faire ça. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais rester sur les réseaux sociaux. Il faut venir, on a besoin des actes, pas des paroles. On n'a pas besoin de beaucoup de blabla sur les réseaux sociaux. Sortir quand on a besoin, quand il est temps de faire des actes pour sortir. On fait la mobilisation ici à Paris, la salle de Trocadéro. On va marcher de Trocadéro à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Il y a eu un problème technique. Direto com o cavalo de porta. Minha irmã ativista não falava como. Nunca precisa de palavras e na papel na francês, na tenta traduzir, pensa que alguns ouvir. Como nunca precisa de barulho na rede social, mas sim não precisa de atos. Significa como e tem que passar no terreno. Tudo atividade que liga, quer política, e defesa de no continente e suma de no país e tem que passar para ato. Para ver, se não analisa muito bem, a África tem tio ciberativista. Ciberativista e aqueles que está comunicação na rede social, não na presença própria de ações. E a nós, a África precisa realmente de ativista, de gente que não tem contato com a realidade, com o facto. Confrontar realmente que aqueles que têm estado na face do mal. E a mim cuide uma ação de ativismo pan-africano sério, responsável. E ele que te ensine a os e não assumir tudo o que é que na face na rede social e tudo o que é que está face na rede social e minha inteira responsabilidade e cabe a mim responsabilizar, certa responsabilizar minha cabeça para meu comportamento e minha atitude. E para aquilo, minha irmã, de maneira que não olha, não faço para não poder acompanhar tudo o que é que na acontecer é preciso no momento. Havia gente na vinha ainda, não é irmão, se na vinha. Não é irmão, se na vinha. Bravo! E a nós, a mim pessoalmente, na que é que concerna, ou na que é que diz respeito à Guiné-Bissau, sobre política que não praticaram na Guiné-Bissau, a mim me conta tudo guineense. Como? Não quero conhecer o Umaru Sissoko, nem a ontem, nem a hoje, nem amanhã. E que importa quem que poder conhecer o Umaru na Guiné-Bissau? E que aquilo é que interessa quem quer conhecer o Umaru na Guiné-Bissau? O Umaru é um democrata, a mim, a nós irmãos patriotas, não declara como não a combatir que arma que ele cuide de ditadura, não a combatir que arma. O Umaru é um democrata e que pode combatir com arma de democracia. E mera ilusão se não cuide que caminho. E a mim considera o Umaru como um inimigo de democracia. Me considera o Umaru como um inimigo de Guiné-Bissau. Para aqueles que entendem como o Umaru pode mudar alguma coisa na sociedade e no país, e mera ilusão para quem quer acreditar naquilo. De l'Afrique de l'Ouest, sinon c'est toute l'Afrique qui s'arrêtera. Donc on ne doit pas mener une politique qui va arriver le poumon de l'autre. Donc nous devons sortir ensemble de cette crise, si vous êtes dit autour de nous, que vous soyez congolais, que vous soyez ivoiriens. Nous sommes introduisés vidéos na página panafricanistas para não poder arrancar atividades que intervenções de nós irmãos ali. Il y a un message à transmettre à toute l'Afrique, à toute l'Afrique.
Il veut que chaque Africain défend sa langue nationale. Premièrement, c'est de Guinée importante, importante pour cada um de nós consciencializar realmente de como Guiné e África e precisa de uma mudança séria, principalmente Guiné-Bissau. Está ali na marcha pan-africana, normalmente, de uma maneira que dito, falado o ministro do interior, está a usar a linguagem normalmente. Bom, nunca se vi para ver aqui está a usar a palavra linguagem normalmente, mas normalmente, quem se vê, de como, e que é agora que usa normal, que normal, e deveria ser do normal. Mas se linguagem de normalmente, e que também encontro de que é real de um povo, sofrimento de um povo. Se não houve política que não é praticada hoje na Guiné-Bissau, e com política que não ajuda até que a gente escape a regime criminoso que está no país. E que tem estado na ajuda Guiné-Bissau em nenhum sentido. Gente está na engana simplesmente sem cabeça. E que tem políticas públicas sérias no país. E que tem uma linha de orientação, de uma política de orientação públicas na Guiné-Bissau. E que tem enquadramento próprio de instituições de república na Guiné-Bissau. Se não houve sociedade guineense hoje na rede social, está dando muita pena. Está dando muita pena para ver a própria comunicação que manga a nós, manga de nós irmãos, está fazendo na rede social e que tem estado a sofrer impacto no país. E que tem estado a fazer com que o próprio guineense, povo guineense, saia de uma forma massivamente para manifestar, para pedir seus direitos naquilo que concerna ou naquilo que tem a ver com sua vida. Situação social e política no país e catástrofe. Pois isso vá. E catástrofe. Gente a Osta vive mais de protagonismo de que ação. A nós não precisa de ação. A nós não precisa para combater o Maru. Não precisa de uma ação de convicção. Não precisa de homem que mulher de determinação. Não precisa de uma ação patriota. Não deveria evita normalmente, de uma maneira que é dito o ministro do interior está falando, normalmente, de como hora que nós estamos na ação que tem a ver com a sociedade, com o país, e porquê? E que só para na cabeça. Hora que nós na papel de um país não tem que medir, não analisar, o que é que nós vimos papel e qual que mensagem que nós passa no irmãos guineenses. A nós, irmãos patriotas, não tem estado a insistir na conta, não, irmãos Zucumã. Não mensagem que tem estado na chiga a no povo, derivado comunicação e linguagem que tem estado a utilizar para mangas de nós, irmãos. E cá na Bahia encontro de objetivo e de combate e de patriotismo. Que lá faz com que mensagem que tem estado na chiga. Mas, e que significa como? Não é irmãos que tem estado na esforça, na tenta de gigantar mensagem ao país. Às vezes, manga de mensagem e que até tem enquadramento em termos de política e na ação própria que não faz. E que lá tem estado na cansa, mangas de não é irmãos na poder fazer com que mensagem chega à própria Guiné-Bissau. E a nós não acolhe protagonismo na rede social. A nós não acolhe uma ação patriota, não acolhe um ativismo limpo, responsável, que não está a assumir na tudo consequência. Não acolhe uma ação lúcido e não acolhe uma ação de terreno. E que importa quer de Guiné-Bissau e suma na panafricanismo de Guiné-Bissau. Então, aqui o tempo na tenta fazer um resumo, tenta gigantar uma mensagem à Guiné-Bissau. Não mensagem na Guiné-Bissau, e tá passa, e tá olhado, mas e cá tem efeito. Para mim, se minha mensagem de irmãos patriotas, a mim tá pronunciar na voz de irmãos patriotas, a mim como um ativista solitário, a mim um homem de terreno, a mim um homem convicto, a mim um homem determinado, a mim um homem de ação. A mim que é um ciberativista, minha irmãs. Me se para não, irmãs, percebi de como minha ação
e ultrapassar 36.125 km², que dimensão territorial de Guiné-Bissau. Minha ação está hoje fixada no continente africano, com irmãos de outros países africanos. E para aquilo, daqui a um bocado, não vim pronunciar para poder passar a mensagem, para mostrar para nós irmãos africanos, na língua francesa, perceber como o que é que não acontece na Guiné-Bissau e um puro ditadura. O que é que não acontece na Guiné-Bissau e uma maldição que a mim, Flinto Diallo de Pina, ativista pan-africano, nunca pude associar minha imagem a nenhum cidadão que participa na junta, que um regime ditatorial que cria caos no país, que faz mal à guineense. Minha imagem, uma imagem sagrada a nós. Minha imagem que podia associar nenhum cidadão guineense que apoia mal para que povo e apoia mal para a própria si cabeça. Não repito, minha imagem é sagrada. Minha imagem, uma imagem de uma mensagem. Espiritualmente, ora que alguém te apoia mal, o que podia associar boa imagem que se dão espiritualmente e que bom. Para ver aqui alguém que está encarnado de diabo e a mim que está encarnado de diabo, nunca pude nunca associar a minha imagem que gente que a mim entende como realmente é apoia mal na Guiné-Bissau, é apoia destruir tudo uma sociedade de ser comunicações de bavar que é fazer na rede social que não tem nada a ver com o povo de Guiné-Bissau. A mim filho de dois combatentes de liberdade da pátria, nunca pude associar minha imagem que é que não vai encontro de interesse nacional. Minha vida hoje um pulo na ação e meramente não ativismo. É página Irmãos Patriota hoje que passa a ser uma página pan-africana e uma página que não pude publicar nada que não vai encontro de um ativismo puro, limpo, que quer que tenha a ver, quer da África e suma de Guiné-Bissau. E que lá que fazia os, lanta os muito cedo, pega caminho de norte de França para vir até ali na Paris, para vir dar apoio, minha irmãs de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfim, na ação que vim para vir declarar, para vir denunciar atrocidade que não utilizado na Costa de Marfim, através de um regime ditatorial que método operante igual que não utilizado na Guiné-Bissau, que um regime de Adramane Alassane Ouattara. Alassane Adramane Ouattara e um ditador nato que pôde na poder para via de força de arma. Suma que você vê, e tem estado na prendência adversários políticos na Côte d'Ivoire. E a nós nunca podemos ser aquilo. Tudo quem está a defender direitos humanos, tudo quem está a defender valores democráticos, e tem que contestar, e tem que vir no lugar onde é que não é irmãos não está, onde é que não é irmãos africanos na denúncia perante autoridades que não seguem no trabalho de Kumar. Realmente, o que é que não passa na Côte d'Ivoire, na Guiné-Bissau, na Togo? O que é que não passa na Benin e que é aceitável? O que é que não passa próprio na Senegal e que é aceitável? E a nós não temos obrigação para vir denunciar todo o tipo de comportamentos antidemocráticos. E a nós nunca podia alinhar aquele. Nenhum guineense que pude seta, guineense que lúcido, que está defendendo valores democráticos, que pude alinhar com nenhum tipo de ditadura. Que pude seta participar, associar-se a imagem que aqueles que realmente entendem como Guiné-Bissau quer defender e Guiné-Bissau de ditadura. Não. A nós não tem que alinhar, nunca pude alinhar que gente que está defendendo mal. Não imagem que pude associar na qualquer circunstância, e que pude alinhar que gente que está defendendo mal. Ora que alguém está defendendo mal espiritualmente, não repetir, está encarnado de mal na sua própria mentalidade, na sua própria consciência. E a mim, Flinto Diallo de Pina,
nous gagnons une image en canal social que nous considérons que tu as défini, que défini mal la Guinée-Bissau. Quelqu'un citadin que défini mal la Guinée-Bissau, que pour y aligner cette image que d'aimer. Fabien, nos comportements et quand même nos valeurs d'incarnation, quer spirituellement et quer démocrate, et quand même. E que pode vai na mesmo sentido. A mim um homem que tem uma linha política, uma linha de orientação há 8 anos, que mesmo comunicação, nunca não falha na não comunicação. Na linha de comunicação sempre foi mesmo. Defesa de interesse de tudo guineense, sem exceção. Mas, ora que alguém não participar na mal, na social, interesse comum de tudo guineense, para interesse individualista, a nós não temos nenhum objetivo e combate-se de um até a última circunstância. E o Umaru Sissoko, para mim, um considerado um ditador nato. O Umaru Sissoko, para mim, e com um adversário político, mas sim, e um inimigo que a mim considera. O Umaru Sissoko, e com um político. O Umaru Sissoko, e um homem que está a reboco a uma organização de terrorismo que está a operar na África do Oeste, que tem uma dimensão internacional, que está a trabalhar com tráfico de droga. Que é que não tem estado a assistir a hoje na Guiné-Bissau? E o meramente crime bem organizado e bem preparado, que não tem consequência ainda mais perante o nosso povo e a nossa sociedade. Para aquilo, nós vamos pedir tudo o guineense. O que é que está ali em causa? E o país que está em causa? Existência de boa nacionalidade guineense, de bons valores guineenses, existência própria de cidadania guineense, existência de que luta que praticado para nosso país, para nosso irmão, para nosso mamães, na liberdade Guiné-Bissau. E para aquilo, eu tenho compromisso com o país. A mim tenho compromisso com o país. A boca na Jubim, eu tenho compromisso com o país. Eu tenho compromisso com a África se você está sendo realmente africano. Se você reconhecer realmente valores africanos. Se botar o conhecido realmente como na África e para si homens que combatem para fazer Colón sair e para libertar a África. E que homens a os manga deles que está de vida. Suma Maria Manguabi, suma Patrício Lumbumba, suma Amílcar Cabral e suma Kwame Nkrumah e suma outros. O suma outros! Guiné-Bissau, o soma outros! Bien, meu esse dinheiro, irmão de Côte d'Ivoire, ele que organiza a marcha, se não me oposici, e consigo no mundo de comunicação ivoriense. Você diz qualquer coisa? Vas-y, vous pouvez dire quelque chose si vous voulez. Salut tout le monde. C'est sommes... Guiné-Bissau, hein? Ah, c'est bien. Non, moi c'est Conakry. Oui, Conakry, vas-y, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ok. On est un là. Peuple. Obrigado, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau qui s'est battu pour son indépendance courageux, que maintenant là, Umaru est en train de vendre le pays et vous êtes là, vous faites bien. Regarde comme elle a dansé devant Macron. Femmes, enfants, tout le monde s'est battu pour l'indépendance, pour la liberté. Et maintenant, on vend votre pays, vous êtes là. Je m'excuse, un homme de Guiné-Bissau, je m'excuse, je suis vraiment triste. Aujourd'hui, je connais la Guinée-Bissau. Laissez faire. Qui a dans l'histoire tout le monde. Force, obrigado, Guinée-Bissau. Aujourd'hui, ils ont laissé un voyou qui a pris le pouvoir. Il fait du n'importe quoi. Donc, c'est ça que vous avez dit. Titi Nassila, tout ça. Gomme, comment elle s'appelle encore, qui est encore vivante, qui est là. Théodore Gomme, j'ai des forces qui sont battues, les femmes, armes à la main. Vous êtes où? Hein? Je vais traduire tout que vous avez dit. Non mais ils savent, je connais la Guinée-Bissau. Voilà. Ça fait 4 fois que j'étais à Guinée-Bissau. Hein? Je m'excuse en nom de mon pays pour toutes les erreurs qu'ils ont fait de commis. Alors tous les gens qui sont morts, ça a été pour rien quoi. Hein? La lutte armée, bon, même pas le travail, on va dire tout le monde. Hein? Ni nous vieux, tout ça là, on fait quoi là? Hein? Franchement, tu m'as touché. Vous êtes cruel, je comprends que vous êtes cruel. Mais vraiment, ça fait mal, ça fait honte quoi. Voilà, je vais me traduire. Vous voulez dire quelque chose? Bah, je voulais dire vraiment, force au Guinée-Bissau, mais pour ne pas regarder le titre ethnique, s'il vous plaît. Parce que c'est Umar Mbalo. Il a accueilli Macron qui n'est même pas aimé en France.
et qui va donner des leçons aux Africains, soi-disant, unissez-vous. Soi-disant qu'il y a des communautés pénibles qui sont. Moi-même, que vous voyez là, moi je suis paix là, mais c'est moi le ballon là, il ne faut pas les mettre. Ou on y demande, madame, monsieur, voilà. Vous pouvez passer message un peu, comme ça ils vont comprendre. Voilà, on a voulu venir comme à l'entente, on dit depuis ça autant, on dit que vous m'avez manipulé, on y va. Voilà. Quand on est en France, France, on est en patron, voilà. Merci frère. Nous sommes en train de traduire quelques minières papiers en Il faut la Ceux qui sont africains, venez vers ici. Voilà. Ceux qui sont africains. Parce que nous, on est non-limites. Les gens, ils essaient de nous diviser en nous appelant maliens, gabonais, togolais, mais nous, on parle de l'africanité. Voilà. Ouais, je ne sens pas encore. Bon, les non-entraya n'assemblent. Mesdames et messieurs, je veux vous dire une chose. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme, mère de 3 enfants, dont un à 3 ans, qui a été kidnappé par un terroriste. Aujourd'hui, nous allons parler de frères africains. En prison depuis 2011, parce qu'ils ont répondu présent au chevet de leur nation. Aujourd'hui, nous allons parler de Ami Ouattara hier. Je prends l'exemple Sou Toussoul. Qui il est? Sou Toussoul, c'est le chef de protocole de Soro Guillaume. Tout le monde connaît Soro Guillaume. Il a écrit un livre pour dire voilà pourquoi je suis devenu rebelle. Cette rébellion de Ouattara aujourd'hui, un chef d'État, armement installé sur le sang des Ivoiriens. Sous Toussoul, il est en prison. Donc, c'est un prisonnier politique. Aujourd'hui, on a demandé aux Africains de venir, et non les Ivoiriens, parce que nous avons vu le Mali. Assimi! 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 Nous avons vu le Mali. Comme hier, Thomas Sankara, un homme. Il a dit, Macron, tu m'emmènes. Et puis c'est resté. Applaudissez ça. Il a dit, le vieux Le Drian, tu m'emmènes. Il a été chassé. Assimi a dit à Pali, ferme ta gueule. Assimi dit, France, tu as volé mon espace aérien. France, tu as donné des armes aux terroristes. Allons au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis ça est là-bas. Donc aujourd'hui, là, nous, on ne parle plus en termes de pays. On parle en termes d'Afrique qui veut se libérer de ce que la France a pu tracer des carreaux, comme des carreaux de sucre, mais d'un café baoulé, pour créer Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Mali, Algérie, Nigeria, bref. Camarades, soyez fiers, vous qui êtes ici. Ce que nous faisons aujourd'hui, nos frères l'avaient fait hier. Nos ancêtres l'avaient fait avant nous. Si vous êtes ici, ce n'est pas par le fait du hasard. Non. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Si lui, il est là, ce n'est pas le fait du hasard. Si elle est là, ce n'est pas le fait du hasard. S'il est là, ce n'est pas le fait du hasard. Ce jour-là, depuis notre naissance, on devait être là. Il faut applaudir ça.
Voilà. Tout de Guinée. Mesdames et messieurs, nous allons partir avec les pères qui sont derrière. Je vous demande, s'il vous plaît, qu'on contribue tous à cette marche qui est d'abord symbolique pour nous. Ça sera la première, mais ça ne sera pas la dernière. Les pères derrière, vous allez vous saisir des flyers. Vous allez les ranger pour que nous puissions être derrière les flyers. Nous allons suivre la police de Macron qui veut voir jusqu'où on peut arriver. Ils vont voir jusqu'où on peut arriver. Vous allez suivre. Ce que nous faisons ensemble, c'est la main dans la main que nous allons y arriver. Hein? Voilà. Même si on était deux, on allait suivre cette route. Parce que sur cette terre, mesdames et messieurs, je passe mon micro à Babo Kone parce que je vais bénir la route africainement parlant. Je suis Okosi Baba Nicolo, Etiokwe. Babo Kone! Babo Kone! Allô, Glaté, nous nous allons mal au palais qu'on fasse ça. Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes là? On est là, on est là. Mais j'ai entendu ici, mais ici là, il y a rien. On est là. Est-ce que vous êtes là? On est là. Afrique est là. Guinée-Bissau est là. Mais ici là, ça va. Est-ce qu'on est là? Mais il faut se lever. Levez-vous, maman, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Venez, 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 tout le monde. Que tout le monde vienne là. On va parler un peu. Merci. Dis quelque Merci. Chose, quelques Merci. Mots sur la Guinée-Bissau. On va parler un peu. Sur l'Embalo qui nous entraîne de nous traiter. On est venu ici. Tout à l'heure, je suis avec Philippe. On a grossi le cœur. Le meilleur cyberattaque. Tout le monde est fâché. On a assis à la maison. On est fâché, on est fâché. Je ne parle pas portugais. Non, il ne faut pas dire ça. Il y a une femme. Qu'ils appellent Philippe Balé. En fait, le meilleur qui est toujours avec elle s'est levé. Il a toujours été là pour nous. Que tu elle sois dénonce, Malien, elle dénonce. Guinée, elle attaque. Non, elle est derrière. On est content. On l'a produit. Bra. Donc aujourd'hui, avec oh non, comment ça suivre le mouvement. On dit ah, j'ai le ballon là. Vraiment, c'était en train de faire là. En ballon, la suivre. En ballon, France-Afrique dehors. Est-ce qu'on va Mali? Merci. Elle revient. Et en même temps, Ouattara l'attrape. Il a battu. Mais ceux qui parlent pour nous en Côte d'Ivoire, si tu l'attrapes, la mettre en prison, qui va parler pour nous? C'est ça la question. Qui va parler pour nous en Côte d'Ivoire tant que Pierre Mbélé est en prison? Et quand tu regardes la forme de son arrestation et le fond du dossier, tu te rends compte que elle a été arrêtée pour rien. Alors, quand on arrête rien pour rien là, il faut libérer. Tu as pris son téléphone, tu as pris son passeport, tu as fouillé une semaine. Alassane Ouattara et ces gens-là sont en train de fouiller le téléphone de Pichin Bali. Les appels, ils fouillent. Les messages, ils fouillent. Même bonjour à dire à quelqu'un, ils fouillent. Mais ils n'ont rien vu dedans. Mais si vous n'avez rien vu dedans, elle n'a rien fait. Pourquoi vous partez la traiter? Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir, parce que tu as les appareils de l'État, parce que tu as transformé Adou Richard, procureur d'Abidjan, comme un bon chien, comme, je ne sais pas comment, un chihuahua. Un chihuahua, un panda. Mais si tu as pris Adou Richard pour faire de lui ton homme de main, mais nous les Ivoiriens, nous les Ivoiriens on dit Pichéré Balé là, elle n'a rien fait, alors il faut la libérer. Pichéré Balé n'a rien fait, alors il faut la libérer. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qu'on attend. Une femme, elle se débrouille petit à petit, elle travaille. À cause de 2020, elle a dit non au troisième mandat. Ils sont partis l'attraper la nuit, à minuit, des encagoulés avec des chars.
des lance roquettes, des AK-47, des 12-7. Ils sont allés l'arrêter avec ses collaborateurs. Et puis on l'a vu en prison. 9 mois, on mène enquête. Dans l'enquête là, il n'y a rien. Il finit nos terres. 9 mois de sa vie passé pour rien. Mais si tu es, si Ouattara même c'est quelqu'un qui est normal, c'est que sa tête réfléchit. Normalement, quand tu attrapes quelqu'un, tu fais 9 mois avec cette personne là. Les enquêtes, et puis on n'a rien dedans. Mais une prochaine fois, si tu vas arrêter cette personne là, ils vont t'assurer que le procureur soit persuasif. Le procureur lui-même, c'est même pas pourquoi il a arrêté. Dans son audition, les avocats ont vu, ils ont dit, mais vous l'accusez de quoi? On dit non, on l'accuse parce que elle est partie au Mali, elle a allé faire complicité avec une puissance étrangère. Que détermination et conviction de cada un guinéen. Ils disent qu'elle a fait quelque chose avec une puissance étrangère pour attenter à la diplomatie de la Côte d'Ivoire avec le Mali. Pas défendre un pauvre. Au Mali, pour aller casser Mali là, pour aller déstabiliser le pays des gens. On t'a attrapé. Toujours pour le voleur, un jour pour le... À travers l'association, c'est ce que nous avons dans le monde. Il a fait un jour, on l'a attrapé. On t'a attrapé maintenant, on dit bon, on est frère, on sait que tu es voleur. On sait que toi, là, ton rôle, là, c'est pour déstabiliser les gens. On t'a attrapé. Mais comment les frères pour le bon voisinage viennent demander pardon et puis les prisonniers qui sont chez toi là, ils vont me les envoyer, moi je vais t'envoyer pour toi. Mais c'est drôle là, tu as des prisonniers, tu as mes prisonniers chez toi, j'ai tes prisonniers chez moi. Mais comment toi tu me dis de me donner pour toi, pour que toi tu gagnes pour moi? Ah non, moi je suis fou. Nos convictions, nos déterminations. Azimé dit, envoie-moi les boubous là. Le cas venu ici, on va les juger. On va leur demander ce qu'ils ont fait. L'argent, ils ont pris là. C'est parti où? Maintenant, c'est quand est-ce que tu travailles? C'est mieux de celui-là, oui. Il est mélangé. Il est mélangé. Mais est-ce que là, je vais aller en prison? Est-ce que là, on peut l'accuser d'avoir fait quelque chose encore? Fils de Braguel est en prison. Tu l'as pris là-bas en prison. Braguel en prison. Tu n'arrives pas à la libérer. Mais c'est qu'elle n'a rien à voir avec ça. Donc, chers camarades, Pujerine Balé est en prison pour rien. Elle est en prison pour rien. Alors, nous demandons, nous exigeons sa libération. Quand on calcule, c'est 104. C'est intéressant. Mais bon, on a négocié. Les gens, les tractations, etc. On dit vraiment qu'il faut libérer les gens. Il dit, j'ai compris, je vais les libérer. Le 7 août. La nuit du 7 août. Il dit, je vais les libérer. Sur 104, il libère. Il porte d'ores des passeports portugais. Il va dire que le cidadons portugais ignore qu'il a. Tu dois quelqu'un sédu, Elisi africano de quoi qu'il en soit.
Et tu un document. Et quand tu donnes 2 euros, 104 euros, sur 104 euros, tu donnes 2 euros. Mais ça, quand il essaie de citoyen portugais, Elis, Iguinien. Donc, nous disons ici. Tenez vos amis. Nous ici, de la diaspora. Il va interpeller Oumarou Sissoko. Banounou Nabian. Nous ici, au niveau de la diaspora, nous demandons à Talon Ouattara. Beba Ouelis. Les 102 prisonniers qui restent là. Et puis Jean Balay vient s'ajouter. Et ça fait 103. Donc, il a levé 2, il a mis 1 en candidat. Donc, il y a 403 prisonniers politiques. Donc, nous devons avoir un plan de libéral sans condition. Les 103 prisonniers politiques, ils n'ont rien à faire là-bas. Et il y a certains parmi eux, depuis 2011, qui n'ont jamais été jugés. Pourquoi prendre quelqu'un dans la prison pendant 11 ans sans être jugé? C'est quoi ça? Un alguien sort, insuffisant. Fasciguiens, soya, egintis, réellement. Et tant qu'interpellant, à quelqu'un, nous devons vraiment le faire. À nous, nous sommes. Si ne la libère pas, c'est que lui ne veut pas la libérer. Alors, on va interpeller Oumarou Sissoko Mbalo. On ne veut plus le voir. Mais nous, nous pourrions tenir la mer. Draman, démission. Draman, démission. Draman, nous pourrions prendre une activité pour l'assemblée. Draman, mais nous y congénérons. Nous assommes. Draman, nous assommes. Draman, conviction, détermination, patriote. Alors, chers camarades, merci, merci. Alors, tout le monde pourrait accompagner que nous, pas nous. Ambassade de Côte d'Ivoire. On va le trouver pour une affaire normal. Bien, nous n'avons pas de camino de confronter. Quels groupes de criminels ont assalté le pouvoir que tu as le pouvoir dans la Guinée-Bissau? Nous n'avons pas de camino de confronter. Mesdames et messieurs, quels groupes nous n'avons pas reconnu? Ni à honte, ni à honte, ni à manier. Nous savons d'où nous venons tous. Je demande à ceux qui sont à droite, non à gauche ici, de reculer un peu comme ça. Sécurité. Demandez à ceux-là de passer un peu comme ça. Nous allons ancestralement ouvrir la route, c'est important. Ivoiriens, Africains, passez par là. Ceux qui sont ici, passez par ici, s'il vous plaît. Africains, passez par là. Pardon, doyen. Africains, passez par là. Rejetez bien pour mon micro, c'est trop fort. S'il vous plaît, passez tous là. Commencez déjà à enlever les flyers derrière, les banderoles. Enlevez les banderoles derrière, s'il vous plaît. Prêtez-vous volontaire à enlever les banderoles. Parce que quand je finis, nous allons suivre le monsieur qui est là, Black Legend Charlie, le président de la Dream Team. Il va nous montrer la voie. Sécurité, Barokone, passez ici, tout le monde derrière. Sécurité, dites aux blancs qui viennent. Ils n'ont qu'à respecter ce que je fais, ils n'ont qu'à passer derrière. Parce que c'est ici, nos ancêtres ont versé du sang pour qu'ils puissent se promener librement. Il faut qu'ils le sachent. Sécurité, tous les blancs qui viennent là-bas, là, ils n'ont qu'à passer de l'autre côté. Il faut qu'ils respectent ce qu'on fait. Ils sont chrétiens, ils sont musulmans, ils sont tout ce qu'ils sont. Nous sommes africains. Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir la route de ce voyage spirituel. Ouvre-moi ça. Avant d'ouvrir le voyage, il ne faut pas oublier, nous sommes là pour manifester. Il faut prendre les drapeaux de la Côte d'Ivoire. C'est 5 euros. S'il vous plaît, les drapeaux doivent flamber partout. C'est 7 euros. 7. Wolof là. Il faut acheter les drapeaux. S'il vous plaît, achetez les drapeaux. Parce que ça, ça parle. On ne peut pas manifester sans les drapeaux. Prenez les drapeaux, s'il vous plaît. 7 euros. Ni Warta, ni Waro, ni Ruta. Mon frère, Gouvanico. Vas-y. David, c'est un panafricain avec nous. Comme je tiens à saluer Maman Barreta. Voilà. Allez, on est dans le père Mostravos. Maman Barreta. Et d'ordre, ni un branc ou qu'on a passé en dégnostal. Mais les gens sont déterminés, hommes déterminés, pour qu'ils brinquent. Est-ce pas vrai? Alors que nous avons participé à l'assemblée, ni un branc qui passe dans les métalles. En quant à nos Africains, nous sommes dans les métalles. Interdit. Et puis tout un dispositif. Voilà, Alina Mostravos, qui est Africa? Pas vrai? Le berceau de l'humanité, ils l'ont reconnu.
Est-ce qu'il y a Africa? En Afrique, avant que toute la religion se forge, vous avez été là. En Afrique, avant que nous soyons avec des calendriers, avant que nous soyons avec des montres, avant que nous soyons avec des noms, des baptêmes, des mariages, l'Afrique existait. Aujourd'hui, j'appelle tous ces ancêtres-là. Pour moi, je leur demande la permission. Je demande la permission à Marianne. Je demande la permission à la Gaule, à la France, la Grande France. Je demande la permission aux ancêtres français, aux ancêtres européens, de permettre que sur le sol, l'Afrique qui a donné de son sang, de sa sueur, l'Afrique a donné le bout de lui-même pour qu'il puisse un jour, devant Hitler, récupérer leur sol. Aujourd'hui, je demande la permission à ces ancêtres français de permettre que nos ancêtres puissent descendre sur nous, de permettre que le vent puisse nous souffler, de permettre que le ciel puisse s'allumer, de permettre que le sol nous reçoive, de permettre que le feu brûle, de permettre que ces enfants d'Afrique-là marchent le sol. Ancêtres français, permettez que nos ancêtres nous rejoignent ici et maintenant. Ancêtres français, nous y sommes avec vous. Merci pour la permission. Merci au Dieu de tous nos ancêtres. Merci au monde. Merci au sol, au feu, à la flamme, au métal, au vent, à la forêt, aux mers, aux océans, de nous permettre de franchir notre demande. Nous voulons ici et maintenant sacrifier l'âme malfaiteur d'Alassane Draman Ouattara. Sur ce sol qui a tué des Ivoiriens, qui a tué des Gabonais, qui a tué des Maliens, des Burkinabés, des Algériens, des Tunisiens, des Sud-Africains, des Congolais. Nous venons ici demander la permission qu'on puisse ensemble, la main dans la main, ouvrir les portes de l'Afrique de liberté, l'Afrique unie, l'Afrique de son sang, l'Afrique de notre Afrique. Chers ancêtres français, permettez que ici et maintenant, nous puissions marcher avec votre permission, car nous sommes loin de chez nous, mais chez nous, parce que nous avons versé de notre sang à Tcharoy, versé de notre sang sur les champs des Allemands, versé de notre sang français pour que vous soyez là. Mesdames et messieurs, nous avons la permission des ancêtres pour marcher devant. Soyez tous les bienvenus. Je suis l'Afrique, au Kosisi Baba Nicolo. Et si Afrique, Nyer Moses, notre ancêtre, notre ancêtre. Est-ce qu'il y a Afrique, Nyer Moses? Est-ce qu'il y a Afrique? Est-ce qu'il y a Afrique, Nyer Moses? Bon, ici, bon, comme ici. Est-ce qu'il y a Afrique? Ozim Zim! Ozim Zim! Mesdames et messieurs, tout ce qui est banderole devant, on va suivre la marche, Charlie, la sécurité, préserver ce combat. Nous allons arriver jusqu'à l'espace de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus, soyez fiers d'être là. Que Dieu vous bénisse. Démontez les banderoles. Et puis on va suivre le camion. Il y a la police qui sera devant nous. Et puis il y a la police aussi derrière. Et nous-mêmes, nous avons notre sécurité. D'accord ? Et on reste dans la discipline, s'il vous plaît. Voilà. Avancez, avancez. Roger, tu peux démarrer, s'il te plaît. Il faut une tradition africaine plutôt d'arbre dans tout le continent africain. Et nous, on a dirigé le papa et contre. Et où tous nos hermanos, c'est ça, y'a. L'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais que. Tout de suite prompt. Donc, la police est en position. On est en train de voir la caméra. La police est en préparer. Non. Tu peux te mettre sur le côté. C'est bon, ouais.
J'ai plus de drapeau. J'avais un grand drapeau. Ah ouais. On me l'a volé le pas à la République. Ah ouais. Mais. Voilà, moi j'ai pris le drapeau de l'Union africaine. Moi j'ai pris ça, j'ai dit c'était toute l'Afrique. Ouais. Voilà, on en a marre de séparatisme. On continue à animer. Ouattara, dégage. Umaro Sissoko, dégage, dictateur. Ouattara, dégage. Ouattara, Crico, libéré. Les camarades, on se repose un peu. 2 minutes. Niermons, non, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, on a pidi libération de. Ouattara, dégage. On est fatigué. Tu libères Pichéric Balé. Elle n'a rien fait. Elle a le droit de parler. Et c'est ce qu'elle a dit, c'est normal. Arrête de tuer les Ivoiriens. Nous avons marre. Tu vas dégager. On est fatigué de drama, moi aussi. Puis, dégage. Il va dégager. On va le faire dégager. Dégage. Les actions. Les diasporas, on va le faire dégager à la Sana Ouattara. C'est un dictateur. Umaro Sissoko est un dictateur. Tous les dictateurs en Afrique ont été faciles ou saines à poudre. Pas via de force. Pas via de démocrate. Et pourtant, ils ont été combattus avec la même arme qu'ils sont en train d'avoir dans la poudre. Et comme on aura fait la vie de la déchirée, on va pas d'avoir. Allez, nous, Amazon, les Gabonais, ils sont là. Dis quelque chose sur. Ouais. Ali Bongo, c'est un dictateur aussi qui est malade, qui devait quitter le pouvoir. Mon combat, il est panafricain, donc je ne suis pas là encore du Gabonais. Voilà. Mais comme tu as dit Gabonais, que j'ai ce drapeau-là, nous voulons le départ de la famille des Bongo, la famille Bongo au Gabon. Le départ de Sassou Nguesso au Congo, le départ de Biya au Cameroun. Le départ de tous ces dictateurs, la forme Yassine. Umaro Sissoko et Mbalo aussi. Umaro Sissoko, le bordel. Avec sa pub de Carla, on en a marre. Et surtout, on va les venir. Sous Carla Barbosa. Voilà, Carla Barbosa. Tout cet criminel. Dégagé. Nous sommes là pour exiger la libération de Pichéry Balé. Voilà. Voilà. Bon. Et si on a des ministres panafricains, comme on a dit, du Gabon. Et on a dit que tu as signé le Tio, gabonais, qui sont africains. Assassin, Umaru, criminel, Umaru, dictateur, Sissoko, dictateur. Libérons Pichéry, Libérons Pichéry, Libérons Pichéry, Ensemble.
le savent pas, nous manifestons ici, dans ce pays libre qu'est la France, pour dénoncer une dictature en Côte d'Ivoire, pour dénoncer une dictature en Guinée-Bissau, voilà, pour dénoncer une dictature au Gabon, pour dénoncer une méchanceté contre le peuple malien, pour dénoncer une dictature au Togo, pour dénoncer une dictature au Bénin, pour dénoncer une dictature au Congo Brazzaville, pour dénoncer une dictature au Cameroun. Mesdames et messieurs, tout le France, tout le plateforme panafricaine, vous nommez l'entrée. Paix dans le cœur. Il était important pour nous aujourd'hui d'informer l'opinion française. Il était important pour nous de vous informer, chers frères et sœurs. Vous qui êtes là, nous sommes avec des Algériens, nous sommes avec des Tunisiens, nous sommes avec des Égyptiens, nous sommes avec des Ivoiriens, des Congolais, pour vous dire, il faut que la France, qui est la mère de la démocratie des pays ex-colonisés, se penche notre cas. Tous ces jeunes Africains qui prennent des poteaux, tous ces jeunes Africains qui meurent dans la mer, tous ces jeunes Africains qui meurent dans le désert, à votre avis, pourquoi ils sont là? À votre avis, pourquoi ils viennent en France? À votre avis, pourquoi ils viennent en Espagne? Non, non, facile. À votre avis, Francis, pourquoi ils viennent en Afrique? C'est où il y a Africains nous habillent, et pour que Africa Castané, et pour que dirigeants de ce qui est appuyé dans le bar, quand est-ce que nous avons servi propre continent, quand est-ce que nous avons servi, c'est intéressant. Nous n'avons pas qu'il annonce, nous sommes intelligents. Il n'y a pas de nous, il y a des jeunes Africains, il y a des jeunes Africains qui sont aujourd'hui emprisonnés, comme c'est là. Qui est le président de Michel Ballet? Envoyez le président. Mesdames et messieurs, nous nous excusons de vous déranger, mais en Côte d'Ivoire, nous avons un dictateur qui s'appelle Alassane Ouattara. Ouattara. Nous avons un dictateur qui s'appelle Alassane Ouattara. Il a fait un mandat armement installé par Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, dans son temps, a permis que Ouattara fasse bombarder le président de Macron, originalement élu. Après Nicolas Sarkozy, Ouattara avec Macron aujourd'hui, passe un troisième mandat illégal. Aujourd'hui, en Afrique, les jeunes Africains s'apprêtent à prendre des bateaux parce qu'ils pensent que la France est beau. Alors que nous savons que les Français ne veulent pas vivre, nous avons entendu le pain. Nous ne pouvons pas vivre le pain par la France. Et nous ne pouvons pas. Il faut que le père comprenne, il faut que le lâcheur comprenne, il faut que ma femme comprenne que ces Africains-là, ils ont eu une maison de l'État dans les arbres. Ces Africains-là, ils sont à l'école. Ces Africains-là, ils sont intelligents. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi nous manifestons que les anciens Africains sont avec vous.
Sami Cissé, nos protagonistes dans la rédaction sociale, de manière mignon. Sami Cissé, nous précisons dans nos sens. Sami Cissé, certes, on a quelques notes faciles. Mais ne laissons même pas. Nous avons aujourd'hui. On avance. Sami Cissé, Suguru, on a quelques notes faciles. Sami Cissé, Suguru, on a quelques notes faciles. Il a non si consciente di come è tipo di lutta e tiene un grande sacrificio. In lutta si tiene un grande sacrificio, ma non si consciente di quella. E manda non l'anta per non vin a poi a noi a noi un po' di qua e sono un panafricanista. Ce che sa così lui deve fare, il fa. Ce che sa così lui deve fare, il fa. Maintenant, arrêtons. Qualche lutta tem que ser. Qu'est-ce que Alassane Ouattara avait le droit de faire en Côte d'Ivoire? Si Kassel ou pas via de conviction, c'est un camarade français. Et plus de liberté. Et plus de liberté. Et plus de démocratie. Que tu as dénoncé à tout le monde. Alassane Ouattara. Sobre ces pays d'origine. À la permission. Alassane Ouattara a eu une critique de la France. Non, tant que ça évolue. D'imprimer les Ivoiriens, de violer les droits des femmes, de mettre les femmes en prison, d'emprisonner des femmes 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois sans être jugées. Madame Pigène Balé a été arrêtée en 2020. Elle a été libérée 9 mois après en 2021. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Les militaires qu'est-ce qu'il était dans son dossier? Rien. On lui reprochait quoi? On lui reprochait d'avoir dit non à un troisième mandat. Anticonstitution. Alors, Pigène Balé. On la juge pas, on la juge pas, on la libère pas. On la juge pas, on la libère pas. Justice, on ne la juge pas, on ne la libère pas. Qui est un indiciaire de quelque écafasse. C'est important, Niermans. Ami Flint, tu as le citoyen de Guinée-Bissau. Un carreau policier de justice de Guinée-Bissau. Ni à Honti, ni à Honti. On pense à Talvez à Magna. Sora qui t'aime un réel. Le drapeau, on a dit une réelle démocratie. Un pouvoir politique sol responsable de la police réellement. Draman! Draman! Mais à toi, justice, on a Ouattara, Ouattara, libéré, contre qui? Libéré, juive, femme là, Pigène Balé là, elle a rien fait. Tout signé chez son, elle a rien. On l'a arrêté parce qu'elle a pris son argent. Elle a acheté un avion, elle est partie au Mali. Justice à Christian Guinée, magistrat. On peut arrêter quelqu'un parce qu'il a voyagé. On peut arrêter quelqu'un parce qu'il a voyagé parler d'un pays français. Chers camarades français, chers amis français, aujourd'hui on est en France. Est-ce que si un français prend son billet d'avion et puis il va en Espagne? À son retour, on peut l'arrêter. Nous cambions les publiquement et puis disculpa. À son retour, on peut l'arrêter. Ora que nem papia, nta analisa. La forme, nta midi, nta tirei la son de pou. Qualquer homem, mas amiga que homens de par si na rede social para pedir desculpa. C'est un message, c'est une information qui ne passe pas dans les médias. On ne vous dit pas ça. On ne vous dit pas que Macron a applaudi Alassane Ouattara pour avoir décapité tous ses profits afin de pouvoir être à son troisième mandat. Afin de pouvoir briguer son troisième mandat, Alassane Ouattara a décapité contre tous ses. Alassane Ouattara a calciné des familles entières dans la maison.
D'abord, il y a nos hermanos, c'est vrai. D'abord, on vit tous ces armes-là. C'est ce qu'on ne vous dit pas, chers Français. C'est ce qu'on vous cache. Aujourd'hui, nous allons le dire. Dictatorial que tu as pris alguien de forme arbitraire, si nada, sin culpa formal. Assassin! 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 Criminel! Assassin! Assassin! Sissoko! 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 Et voilà que notre soeur, qui fait partie de l'organisation associative, qui
a été arrêté de la société civile qui s'appelle Tucherine Balé, qui a été arrêté dans sa liberté d'expression, dans sa liberté de dénonciation, qui est constitutionnelle. Mesdames et messieurs, il faut qu'on passe un message à ses frères et à ses sœurs. Mais je vais donner mon micro à une femme. Une femme sera bien habituée à vivre ce que nous ressentons. Alassane, assassin. Mesdames et messieurs, vous êtes surpris de savoir qui s'appelle Alassane Ouattara. Et bien, je vais vous expliquer. Vous qui ne pouvez pas toucher à Ouattara. Les Amazones. Voilà. Je passe la parole à une femme qui va nous dire ce qu'elle pense. Non, moi, je ne peux pas y chanter. Como é possível? Nós estamos em marcha. Agora que nós chegamos à embaixada de Codiguan, lá que intervenção política na facil. E lá que nós não entramos no tribunal. Ali alguém tem a bandeira de Rússia ali. Et on est en liberté à Côte d'Ivoire. On ne veut pas de café, café, Tem um irmão que toma bandeira de Libera, é para lá, para cá. On va donner la parole à une femme. Elle va nous expliquer les conditions dans lesquelles une femme a été arrêtée. Défenseur des droits de l'homme a été arrêté. Ouattara. Une femme qui réclame la liberté des jeunes, qui l'arrête en même temps. On va donner la parole à une femme. Elle va expliquer. Comment elle a été arrêtée. Elle va nous expliquer le guet-apens de la Ouattara opéré sur le petit palais. Je passe la parole à notre Amazon. Équipe,
criminel à Sakotra. Je le cite à Didiaké, voyou. Allez, Maliba. On a mis dans sa cage. Quel est votre parcours? Ils l'ont libéré. Puis chérie, elle retourne chez elle. Pour toujours. Avance. La fixation. Le avancer un peu. Du harcèlement. Et après avoir été mise à garde à vue, on lui a dit, puis chérie, on lui a arraché son passeport, tout son document, son portable. On l'a appelé. Sans convocation. Madame Pulcheri Ballet, venez récupérer vos documents. Voilà la seule crime que Pulcheri a commis. Pulcheri est parti pour récupérer ses documents. On l'a capturé, on l'a mis directement en prison. On l'a mandaté, on l'a mis sur mandat de dépôt. Et qui sait pour qui connaît pas à la salle Ouattara, dès que vous êtes mis sur mandat de dépôt, vous êtes emprisonné. Automatiquement, empoisonné. Mais voilà, maintenant, nous nous sommes là. Qu'on libère les militaires qui sont incarcérés injustement dans les cellules ivoiriennes et qu'on libère tous les prisonniers politiques. Je ne suis pas mandaté par M. Charles Boudé, mais je suis venu aujourd'hui pour vous dire que M. Charles Boudé du COGEP demande qu'on libère Mme Chérie Ballet et il a promis s'engager dans cette action-là auprès du gouvernement ivoirien. Merci à tous. Voilà. Libérez Pulcheri Ballet, libérez les prisonniers politiques, libérez les prisonniers militaires. Voilà. Les militaires, quand on lui donne une mission, il a rempli. Il est soumis à son chef. Et donc les militaires ne doivent pas être en prison. Voilà. Ce n'est pas M. Chambé qui vous mandate, je vous précise. Et voilà. Et donc, je vais pas parler en son nom. Voilà. Donc, merci à tous, le combat continue. Oh la terre! Libérez!
Merci beaucoup. Il t'attrape, tu me dis. Thank you.
vous remercie de votre attention. Macron complice. Macron complice. Ouattara, assassin. 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 Macron complice. Crimo. Crac. Crimo. Crac. Crimo. Chers camarades français. Vous savez pourquoi on dit Ouattara assassin, Macron complice? Parce que Alassane Dramane Ouattara a assassiné Kofi Toussaint pour avoir son troisième mandat. Et Macron, Macron a félicité Macron complice. Macron complice. Ouattara criminel. Macron complice. Ouattara violent. Macron complice. Ouattara criminel. Macron complice. Ouattara criminel. Macron complice. Ouattara assassin. Macron complice. Ouattara dictateur. Macron complice. Ouattara assassin. Macron complice. Ouattara assassin. Macron Macron complice. Macron complice. Macron complice. Macron complice. Macron complice. Suivez, il y a voiture. Avancez, avancez, avancez. Macron complice. Avancez, ne connais pas, ne connais pas les gens. Là, le soleil travaille. Avancez.
Ils n'ont pas avancé. C'est l'objet de notre présence ici. Et tout à l'heure, vous allez voir que nous allons monter en puissance. Et nous allons la parole. La parole vient de commencer.
C'est toi qui as commencé afin de dire non à la salle d'Ottawa, afin de dire non à ce soutien. Libération de Pichéry et du Balé. Et demander également à M. Thomas Ouattara d'arrêter de donner n'importe quoi, de faire la libération en cours de route. Nous avons des personnes en prison comme, comment dirais-je, Dogo Lebino, Soultoussoum, des centaines de prisonniers militaires, des milliers de prisonniers politiques, que nous réclamons la libération. Ça parce que Dogo Lebino a été libéré et acquitté, parce que Sable Goudé a été libéré et acquitté, que le combat contre Hassan Ouattara s'arrête. Non. Ceux qui pensent que la libération du président Babou Laurent, vous venez de Goudé, seul le clan de notre mobilisation, notre détermination, c'est toi. Puisque nous sommes dans la rue pour réclamer encore une fois de plus et dénoncer le régime fascisant de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. On va ici abréger un petit peu et continuer la manifestation. Merci. Merci. Dégage. Merci. Dégage. Non, bon, dégage. Merci. Dégage. Vous deux. Il n'y a pas que, il y a pas
Ambalo et Ouattara, vas-y. Ambalo et Ouattara sont les enfants de même famille aujourd'hui. Arrêtez. Le même père et le même mère. Ils travaillent tous ensemble pour Emmanuel Macron, qui est leur père et leur mère. What? Macron leur donne les ordres et ils s'exécutent. Ambalo, il dit que non, lui, il va mettre en place une force qui push. C'est-à-dire qu'il va mettre en place une force. Lui-même, il est arrivé avec les push en pouvoir. Pour déstabiliser le pouvoir à ce moment-là. Déstabiliser. Dali, ma famille. Dali. Viens dans le rang. Viens dans le rang. Vas-y, tout vision d'union, il t'y voit. Donc, autant on doit chasser Ouattara, on doit aussi chasser. Ambalo. Des femmes, des fils qui meurent en prison. Il y a des morts dans les chambres. Il y a des citoyens ivoiriens qui sont en prison depuis 2011. Mais pourquoi? Simplement parce qu'ils ont dit avec moi. Elle est où? Ah ouais, elle est là. Voilà. Je la cherche. De Laurent Gbagbo. Ils sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Il y a une jeunesse dans les jeunes. 11 ans. De Ouattara. Il y a une jeunesse qui meurt dans les prisons, dans les jeunes, dans les mouroirs. De Ouattara. Nous sommes venus crier au fort. Notre indignation. Mais qui est-ce que tu as qui va aller dans le pays?
quoi j'ai dit? Ils veulent pas qu'on passe devant l'ambassade là. Violência para ver gente escondida na vida, calcunça na gente,
E pronto, tudo manifestação pan-africano está acabando na violência. Fabia, o que eles estão misturando? As regras que estão misturando? Não, não, cana, seta. E pronto, resultado. E tem irmãos excomissos para não entrar em confronto com eles, não é? E aquilo que está na preparado, não é? Ele não é irmão, um grande ativista de Congo, Congo Kinshasa. Dis quelque chose, s'il te plaît. Fraternelle et patriotique salutation, donc on est là, on pousse toujours. La voix de l'Afrique doit être entendue et la libération de l'Afrique, c'est à travers le combat ô combien acharné que nous menons pour justement permettre à notre mère patrie, l'Afrique, d'être libérée des forces du mal. Unité, dignité, courage. Liberté pour Pucheri Balé. Nous ne pouvons tolérer que le régime de la manière continue justement à étouffer la voix des dignes filles et des dignes fils de l'Afrique. Pucheri Balé, liberté pour toi et nous combattons. Nous continuons le combat également pour la République démocratique du Congo et la libération de ces beaux pays de force du mal. Libérer ces pays d'une classe politique incompétente, aliénée et incapable justement d'assurer notre sécurité. Et nous combattons pour le départ de la MONUSCO sans condition. Unité, dignité, courage. Merci. Est-ce qu'il y a un collègue de Congo-Brazzaville? Congo Kinshasa, il dit sa déclaration claire. Messieurs, messieurs, montrons que nous sommes des pacifistes. Quand il arrive ici, il met tout le monde comme ça. Des républicains. Alors, ici, les Français sont étonnés de nous voir en train de manifester. Oui, qu'est décidé et décidé. Salutations fraternelles et patriotiques à toutes et à tous. Chers camarades, chers compatriotes, aujourd'hui on est là pour porter un message d'espoir, un message d'amour et de solidarité vis-à-vis de notre sœur et camarade Pucheri Balé, mais aussi vis-à-vis de toutes ces personnes, hommes et femmes, enfermés dans le goulag des Dramas de Ouattara, parce que justement d'un côté, certains ont défendu leurs opinions politiques et d'autres ont défendu les institutions légitimes de la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, chers frères et sœurs, la première erreur monumentale que nous aurons à commettre, c'est d'abandonner de l'idée. Je donne la diaspora parafricaine et ivoirienne pour avoir à un moment donné lâché, pour avoir à un moment donné baissé les bras. C'est lui qui continuera à tuer, c'est lui qui vole continuera à voler. Il nous enverrait à nous autres de ne jamais abandonner, de continuer à lutter et de s'inscrire dans l'éternité pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique. La deuxième erreur monumentale que nous aurons à commettre, c'est celle de demander aux lions d'arrêter d'être carnivores. Comment pouvez-vous demander à un lion d'être et de vivre herbivore? C'est lui qui a l'habitude de tuer tout. C'est lui qui a l'habitude de violer, viol. Dramane Ouattara ne
ne peut jamais renoncer à ce système qui a permis de devenir président de la République, de tuer, de créer des régions, d'imposer des guerres, d'enlever, de bouffer, de changer. Quitte à nous autres, de nous défendre face à la méchanceté de l'Union. Quitte à nous autres, de nous défendre face à la barbarie d'un régime qui ne tolère pas les opinions qui ne vont pas dans le sens qu'il souhaite. Alassane Draman Ouattara a installé en Côte d'Ivoire un système mafieux et impérialiste qui empêche la voie de la souveraineté, la voie de l'indépendance, la voie du patriotisme africain et panafricain de s'exprimer. Donc ils nous ont aidés, il nous revient à nous la responsabilité de lutter, de protéger nos enfants, de protéger nos familles face à ces régimes d'oppression. Bom mensagem está a traduzir na página de Panafricanistas para Francis. Para tornar mais fácil, nós, irmãos africanos, unidos aí, mensagens que vão escrever. A página está a seguir, não é preciso o momento. Isto é em simultâneo na página de ativistas panafricanos internacionais, onde é que não partilha na página, onde é que irmãos está a seguir, em tempo real, tudo acontecimento ali na parede de manifestação panafricanista para apoiar no irmão de Côte d'Ivoire. Kiribadu, um de nós irmãos que na parte na área social, que está chamado o xerife e prendido de uma forma arbitrária, sem justificação nenhuma. Olha, e pedir vil morto significa alguma? Cidade morta. E que lá, onde é pedir que lá, Côte d'Ivoire para completamente. Trabalho que tem nada que tem. Então, autoridades entendem como e por isso é poder em causa. É vai aprender. Porque a nível de vida próprio do povo ivoriense, é suma de previsão de povo guineano e de uma extrema pobreza. Não é irmãos na Côte d'Ivoire, suma de imigração na vida, miséria, pobreza. Não é irmãos que têm de comer, não é irmãos que têm dinheiro para tratar. Situação é caótica e a nossa não pode cruzar braço, não sinta na nossa casa, no conforto, não fazer conta alguma, não vai sequer passar a volta de nós. E a mim que concerne a Guiné-Bissau, sempre em conta guineenses, na declaração se diz que não é emitida, responsabiliza, na tudo declaração se diz que está a não emitir, como uma Rússia só foi um democrata, nunca ainda pode combater com a via democrata. Tudo que ainda vai pensar combater uma com a via democrata, de forma maneira como a Rússia está a não levar o país, e na série muito difícil, introduzir forças de militar no país e na deviação de ninguém. Introduzir alguns serviços secretos dentro do país e na deviação de ninguém. Então, portanto, não vamos poder continuar de onde é uma luta com alguém e pacífico. E que queria um golpe de Estado, que ainda nunca existe. E foi matar e fazer matar ele próprio. E foi vira de 11 pessoas, vira de forma gratuita. E não, nunca por dizer, bom, não tinha nada no local. E aqui é possível, e por isso tem um conflito. Para poder. Para passar na
l'ambassade en Côte d'Ivoire là. La phase est comme pour les fêtes. Voilà qui m'a entrevu. Voilà qui m'a entrevu dans l'entraînement. Novamente. Voilà. Situation está muito agitada. É de necessidade da Tramongena parar o confronto e possível confronto. E a mim, tento estar por parar. Havia ação, não conta gente como não ação e cá claque, e cá propaganda. E vim ter confronto próprio de realidade. Havia o caminho que não cuide de ativismo real puro. E ele que não cuide. E que lá que não me insista, né? Da maneira que não olha. É possível. É possível. Si quelqu'un manda un écho, l'écho n'a pas la manifestation, elle est autorisée. Là. Manière qu'on a, la police est dans la position. Non, mais la manifestation c'est là, c'est pas ici. Oui, c'est là-bas. Sinon, on bloque la route là-bas. Alors, on va bloquer la route là-bas. Sortons. France, c'est un pays de liberté. Il faut que vous nous laissez aller là-bas. Parce que c'est l'ambassade, c'est pas ici. Les manifestations étaient autorisées. C'est pas pour rester ici. Non, sur les papiers, c'est pas ça. Oui, j'ai pensé.
être ici. Avant de c'est la police qui nous a parqués ici. C'est la police qui ne comprend pas, qu'on ne sait pas pour une liberté. La France de Dagon s'est battue pour la liberté. La France s'est battue pour la démocratie. Nous, on ne sait pas dans notre pays à Côte d'Ivoire. Pas un état de droit, un état de liberté, de justice. Et qui a compris un homme, on n'a pas dit. Que nous voulons manifester ici pacifiquement et que l'homme est poussé à bout. Alors, on va crier ici, libérez Boucheri. Libérez Boucheri. Libérez Boucheri. Libérez Boucheri. Libérez Boucheri. Libérez Boucheri. En plus en plus fort, libérez Boucheri. Libérez Boucheri. Libérez Boucheri. Libérez Boucheri. Nous avons réussi une très belle manifestation. Très belle. Malgré que certains ont cru que nous ne pouvons pas sortir massivement, nous sommes pas en train de fier de nous-mêmes. Alors, merci à vous et à bientôt. Merci. Vivi, 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 vivi. On a parlé pour Vivi. On a parlé pour toi, Vivi. Bon, tout à l'heure, je vais vous passer. Le camarade Ferito de Guinée-Bissau. Il nous donne la Guinée-Bissau de chez Amparo. Amparo Kondougoura. Chers compatriotes ivoiriens et les Africains qui sont ici sur place, vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Je suis quelqu'un qui combat un dictateur, un criminel, un trafiquant de drogue, une terroriste qui s'appelle Oumara Sissoko Imbalo, qui est complice de la Sénat Ouattara, qui le mis cette dame à Boucheri Mali, qui nous fait le peuple ivoirien, qui mis cette dame en prison de façon arbitraire. Nous sommes là pour dire non la dictature de la Sénat Ouattara, non la dictature d'Oumara Sissoko Imbalo. Il a prisonné les militaires à Guinée-Bissau. Les militaires qui n'ont rien à voir avec coup d'État. Oumara Sissoko Imbalo, il a tué 11 Issa Guinéens avec un fort coup d'État. Oumara Sissoko Imbalo, c'est le complice de la Sénat Ouattara. Peuple ivoirien, peuple africain, on va être tous main dans la main pour combattre toute cette bande de dictateurs, cette dirigeant à cause de elle, tous les Africains, les jeunes Africains qui mordent dans la Méditerranée. On est là, on est déterminé. Notre combat, ce n'est pas un combat de chercher du nom, de visualisation dans la réseau sociaux. Ça va passer ici sur place, à dire tout le monde, à dire tous les Africains. On est responsabilité avec l'Afrique. Chacun de nous, on est ambassadeur de l'Afrique. Donc c'est pour ça qu'on est là dans cette manifestation. On est là pour demander libération de tous les militaires en Côte d'Ivoire, de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, de tous les diasporas qui voulaient qu'ils se parlent en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont peur qu'ils vont être prisonniers là-bas. Moi aussi, je ne peux pas être à Guinée-Bissau parce que je me laisse du mort. Je poursuis partout où je suis en France. Donc on va combattre toute cette dirigeance africaine. Paul Biaï, on va combattre Paul Biaï aussi. C'est une certaine raison. On va combattre Macky Sall. Tout cette bande de dictateurs. On va gagner. Merci à tous. En ballon, dictateur. En ballon, dictateur. En ballon, dictateur. En ballon, dictateur. En ballon. Il est fait un petit coup d'état, il a eu peur, Macron dit viens toi. Je vous remercie. Demain, c'est merci à vous remercier pour votre présence. On vous dit sincèrement merci. Faites-vous de l'espace d'abord. Reculez, je vous remercie. Tous ceux de l'Afrique, de tous les pays, vous qui êtes venus, nous vous disons merci. Merci pourquoi? Parce que rien ne vous oblige à être là. En réalité, vous êtes obligé d'être là.
nous avons organisé une manifestation et nous avons signé, nous sommes des Africains. On n'est pas comme eux qui disent ce qu'ils disent. Dans notre signature, le numéro 1 qui est là est notre stop. Est-ce que nous devons prendre des excuses? Est-ce que nous devons nous réjouir? Mais nous sommes fiers parce qu'on est ensemble. S'il vous plaît, respectons ce moment. Faisons ce pourquoi nous sommes là. Toutes les organisations parleront. Mabo Kone, qui se trouve la convocation sur les Paris, organiseront. Mesdames et messieurs, au nom de l'Afrique, je vous le sac. C'est maman qui mène à Havia uma linha de comunicação que e aí, fome!
na página que não cria. Olha, na página de compaginação de produção não. Do e Brasil. De ação e de reação. Brasil. Brasília! Mas não olha tudo o documentário, não olha tudo o que tu gosta na escrita. Beijo! Muito obrigado! Jesuí brasileira e Jesuí ici por soutenir a nossa brasileira que é em prisão em Cota de Bois e somos de Lipa Apoia que nota a luta era uma luta da diaspórica da cor negra e o cor que todo mundo tem que bater e somos assim o outro que a nossa sob é dentro da prisão ela tem nosso surte da comunidade no ar afro-brasileira merci beaucoup a todos e todas aqui são esse hoje em dia. Merci beaucoup. Merci Brasil, merci Brasil, 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 Brasil. Brasil. Bon, et nous on Brasil, Brasil. Sénégal. Sénégal. Il a entendu là. Quand la main va traire à la tête, j'ai bien là. Il nous a fait ça. Il nous a fait ça, voilà. La manifestation que vous organisez. Pour la libération des prisonniers malades là, tous les soirs, elle est là. Applaudissons pour la cabane Nima Dia. Bonjour mes chers amis, bonjour ce peuple africain. Nous revoilà en fête comme d'habitude pour combattre pour la dignité de l'Afrique. Mes chers amis, quand j'entends certaines personnes dire qu'en Afrique, il y a des pays démocratiques, je souris, je rigole et je passe.